Plugin, vous êtes aujourd'hui dans mon laboratoire parce qu'on va faire deux vidéos simultanément. Vous ne les verrez pas simultanément, mais je vais vous faire la présentation d'un produit et d'un système d'exploitation. Est-ce que je pense à iOS 10? Non, pas du tout. iOS 10 a déjà été traité par tellement de youtubeurs que c'est pas la peine. Je vais traiter d'un système d'exploitation qui va arriver, qui est très sympathique, à condition qu'on apprécie quand même le dernier système de Microsoft, c'est-à-dire Windows 10. En effet, Windows 10 a été blâmé pour plusieurs raisons, confidentialité, des paramètres trop difficiles à trouver. Je vous dis tout de suite, ça, ce genre de truc n'est pas résolu. Mais cependant, il y a des nouveautés assez sympathiques qui arrivent dans Windows 10 qui s'appelle premier anniversaire, puisque c'est le premier anniversaire de Windows 10. Le système d'exploitation est très très bientôt distribué au grand public. Il fallait que je vous le montre maintenant en avant-première avant que les autres commencent à traiter du sujet. Bien. Pour traiter du sujet, il va falloir que je prépare et aménage un petit peu mon coin pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur le produit. Alors c'est parti, on installe tout le matériel. Alors du coup, nous allons nous fabriquer un petit set de spots lumineux en utilisant plusieurs accessoires, des lampes notamment, et aussi des torches, et on va faire de notre mieux pour avoir des conditions d'éclairage optimales. De même, nous allons nous focaliser sur le produit lui-même et le système d'exploitation. Nous allons donc pas nous contenter d'un simple zoom, nous allons vraiment focuser sur le produit. Donc pour le poser sur une surface plus claire, pour qu'il soit plus visible, j'ai posé un fond vert sur la totalité de la surface sur laquelle je vais le poser. Et je vais poser la tablette dessus, puisqu'il s'agit d'une tablette qui contient ce système d'exploitation, afin de pouvoir vraiment avoir un effet un peu plus blanchi, encore une fois, puisque tout le fond vert va être remplacé par du blanc avec une image. Donc je vais un petit peu redresser le fond vert pour éviter qu'il y ait toutes ces pliures. Et je vais essayer de voir si je peux l'accrocher en haut pour couvrir le mur blanc qui va avec, afin d'avoir un blanc parfait avec la tablette pile poil au milieu. Voilà, alors en attendant, je vais poser la surface ici, puisque vous avez deviné, le produit que je teste, c'est la Surface 3. Donc vous voyez ici qu'elle est plutôt visible. Je vais la recadrer un petit peu pour qu'elle soit dans le champ. La voici, juste ici devant nous. Donc vous voyez, voici la Surface 3. Et ce que je vais vous montrer dedans, c'est le système Windows 10 premier anniversaire. Alors je vais appliquer tous les petits changements décoratifs pour que ce soit vraiment dans les conditions les plus optimales possibles. Les conditions de lumière sont vraiment catastrophiques, on ne peut pas filmer avec ça. Bien, maintenant j'ai réduit presque toutes les nuisances sonores que je pouvais réduire. Il y a encore un des serveurs qui est allumé, mais je ne peux pas l'éteindre parce que c'est lui qui assure le bon fonctionnement du site internet et de notre base de données. Celui-là ne peut pas être éteint, sans quoi il faudrait vraiment plusieurs semaines pour pouvoir le redémarrer correctement. Donc celui-là, je le laisse allumer. Sinon, tous les autres serveurs sont éteints, tous les autres ordinateurs avec ventilateur surpuissant sont éteints. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec Windows 10 premier anniversaire. Donc, ce que vous devez savoir, c'est donc Windows 10 premier anniversaire n'est pas comme une révolution aussi importante que Windows 10. Il y a juste des légères améliorations, mais quand même qui sont vraiment pas mal dans l'ensemble. Donc, parmi ces améliorations, on peut constater que l'écran de connexion est désormais différent, puisqu'on garde l'image d'arrière-plan légèrement assombrie, suite à quoi par-dessus, on rajoute le nom d'utilisateur, suivi donc du champ de mot de passe, ce qui est vraiment très très joli comme résultat. On garde l'image de connexion au lieu d'avoir l'écran Windows 10 qui n'était pas hyper joli, je vous le cache pas. Je l'aimais pas trop, je cherchais une manière de l'enlever. J'avais trouvé plusieurs trucs mais qui modifiaient le système. Je n'avais pas trop envie de modifier le système. Maintenant, c'est pas mal. On a donc maintenant l'écran de connexion. Donc, si je rentre mon mot de passe, vous voyez ici qu'il y a marqué Bienvenue. Et désormais, tout le texte s'affiche en dessous du nom d'utilisateur. Lorsqu'il s'agit d'un redémarrage, par exemple, il est aussi affiché en dessous du nom d'utilisateur. Donc maintenant nous allons voir, donc je suis connecté sur le bureau. À première vue, pas grand chose de différent, à part le fond d'écran qui souligne que c'est vraiment Windows 10 premier anniversaire. Je sais même pas si c'est le fond d'écran qui sera là par défaut, parce que moi je laisse ça parce que j'ai contribué, j'ai aidé Microsoft à
créer ce système d'exploitation en reportant beaucoup de bugs, etc. Et du coup, pour remercier, ils ont envoyé à tous leurs, ce qu'ils appellent Windows Insiders, des fonds d'écran et des publicités, enfin des sortes de, voilà, plusieurs documents pour avoir plus d'informations sur Windows 10 premier anniversaire, afin de surtout vérifier si tout va bien avec ce système d'exploitation. Maintenant aussi, donc, une amélioration qu'ils ont fait, c'est bien sûr le menu démarrer. Alors, je vous explique concrètement, le menu démarrer, ils ont dit que c'était le meilleur de Windows 7 et le meilleur de Windows 8. En fait, c'était pas vrai, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était tout simplement tous les programmes. Le menu de tous les programmes était difficilement accessible, et du coup, ils l'ont revisité pour que cette fois-ci, par défaut, ce soit tous les programmes qui soient affichés sur le côté gauche, et ça, c'est franchement très sympathique. En premier lieu, tout en haut, nous avons les applications qui sont les applications récemment ajoutées, ensuite celles qu'on a décidé de trier, les plus populaires, suggérées, et en descendant un petit peu, on a la liste de toutes les applications qui sont installées sur l'ordinateur. Pas besoin de faire quoi que ce soit, on peut même l'utiliser en tactile s'il y a besoin. Et toutes les applications sont là. De l'autre côté, on a toujours ces fameuses tuiles de Windows 8 qui sont toujours organisées de manière verticale et non pas horizontale comme sur Windows 8. Il a fallu du temps pour m'y habituer, mais au final, c'est pas mauvais. Et finalement, les icônes en bas sont maintenant plus discrètes. Les icônes de connexion. Les icônes de connexion ou quoi que ce soit sont plus discrètes. Et naturellement, on peut choisir d'afficher le texte entier si on préfère. Il suffit pour cela de se rendre sur la section tout en haut. Il y a trois barres horizontales et lorsqu'on les ouvre, on affiche le traditionnel menu démarrer où cette fois-ci il y a écrit en toutes lettres que c'est le menu démarrer. Ce qui est très 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 bien pour avoir des repères avec ici en toutes lettres écrit les différents paramètres possibles. De même, lorsqu'on fait ça, pour mieux accueillir l'utilisateur, le champ de clavier pour Cortana est déjà ouvert, puisqu'effectivement, on ne peut pas vraiment faire grand-chose dans cette interface. Une fois qu'on a ouvert le menu démarrer, on va dire pour ceux qui ne sont pas encore habitués à l'interface Metro, c'est plus celui-là qui reprend exactement le même style que celui de Windows XP ou Windows 7 ou quoi que ce soit, juste modernisé, donc avec du noir et pas du blanc, du bleu, je sais pas quoi. Donc là, c'est juste du noir, mais c'est franchement très pratique ce qu'ils ont fait. C'est vraiment quelque chose de minime, mais quelque chose qui fait du bien. Voilà à faire. Jusqu'à il y a quelques jours de la bêta, c'était encore en anglais, c'est-à-dire qu'il y avait écrit start et puis tous les trucs étaient en anglais. Suite à quoi, j'ai corrigé le texte en rapportant les erreurs. Ensuite, autre chose qui est pas mal, vous avez pu le remarquer avec l'arrivée de Windows 10, vous avez reçu des notifications plusieurs fois en bas à droite. Oui, tout à fait, en bas à droite. Et ben, lorsque vous avez raté la notification, que vous ne l'avez pas vue ou que vous ne l'avez pas du tout entendue, maintenant il est possible de la retrouver facilement, puisqu'en effet, il y a un numéro maintenant à côté de la zone de notification qui indique que vous avez reçu une notification. Ce qui vous permet donc de simplement appuyer sur cette icône pour ouvrir le centre de notification qui est suffisamment similaire, mais vous voyez ici maintenant la notification que vous avez ratée. Vu que vous venez de la lire en appuyant sur le bouton, l'icône redevient vide, sans ligne ou quoi que ce soit, afin de clairement dire est-ce que oui ou non il y a une notification. Ensuite, il y a des fonctionnalités un peu plus pratiques plutôt que de l'esthétique. On va maintenant passer à une application qui est très très populaire et qui refait surface après son énorme échec sous Windows RT. Si vous avez connu Windows RT, c'était un enfer, c'était une catastrophe. Windows RT était un Windows 8 allégé pour tablette. Il était fourni dans un premier temps avec la Surface RT. J'ai eu la Surface RT. Là, nous en sommes à la Surface 3. Mais la Surface RT, c'était la première génération de Surface. Et c'était une catastrophe. Le système n'était pas du tout optimisé pour la tablette. C'était nullissime. C'était pour les processeurs à architecture ARM. C'est-à-dire pas les Intel, pas les AMD. Encore d'autres, ça s'appelait des Nvidia, la marque qui faisait les processeurs. Et c'est en gros des processeurs de tablettes comme vous les trouvez dans les Samsung ou dans les iPad ou quoi que ce soit. Et c'était un Windows qui était fait pour les tablettes, ce qui fait qu'on pouvait installer aucune application de bureau. Il fallait obligatoirement passer sur le Windows Store et il fallait que l'application soit compatible avec l'architecture ARM, ce qui est le cas que d'une application sur 5. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Déjà que le Windows Store n'a pas beaucoup d'applications, si en plus de ça il faut limiter à une application sur 5, Windows RT c'était n'importe quoi.
Et Microsoft l'a reconnu en le supprimant complètement sur nos systèmes d'exploitation. Quand même, pour les usagers de Surface 2, ils se sont dit, ok, on ne va pas les laisser maintenant avec un système d'exploitation complètement non daté. Ils ont fait une dernière mise à jour de Windows RT avant d'arrêter de le supporter, qui permet d'avoir une apparence un peu comme Windows 10, même si ça reste au fond un Windows 8. La plupart des trucs, notamment fond d'écran et tout ça, restent comme Windows 8.1, mais ils ont mis quand même un menu démarrer semblable à celui de Windows 10. Enfin bref, ils ont fait un petit effort pour quand même laisser Windows RT un petit peu au goût du jour, mais là c'est bon, ils ont complètement arrêté de le supporter. Bref, cette application très connue qui tournait sous Windows RT s'appelait Skype, et en effet, sur tablette, Surface Pro, Surface 3, ce que vous voulez, et ben c'était extrêmement difficile d'avoir Skype. Il fallait télécharger la version pour bureau qui n'était pas du tout optimisée pour le tactile, ce qui fait que c'était vraiment pas pratique du tout. Et bien maintenant, figurez-vous que Skype revient. Skype revient avec une application Metro complète, et pas seulement traduction, je sais pas quoi, obtenir Skype ou quoi que ce soit. Non, la vraie application Skype est de retour dans le Windows Store. Ça s'appelle Aperçu Skype pour le moment, mais bien évidemment, ça s'appellera Skype au moment où Windows 10 premier anniversaire va sortir. Et le thème de Skype est complètement nouveau. C'est maintenant un thème complètement noir, extrêmement, extrêmement très simplifié. Vraiment très joli à voir, très simple à utiliser dans le noir ou quoi que ce soit, puisque ça ne s'éblouit pas. Et c'est vraiment une version Skype qui est devenue hyper stable. Alors évidemment, les fonctionnalités très avancées, comme le partage d'écran ou quoi que ce soit, ne sont pas disponibles avec ce truc-là. Mais pour faire un appel vidéo ou quoi que ce soit, pour pouvoir facilement changer la caméra avec un bouton qui est très gros, adapté au tactile, où tout est justement, le clavier virtuel peut facilement s'intégrer avec Skype et quoi que ce soit, et puis facilement passer d'un mode à l'autre ou quoi que ce soit, je trouve ça fantastique, c'est génial, Skype revient en force, j'attendais ça depuis longtemps, ils l'ont fait. Et si ça, le thème noir ne peut pas plaire à tout le monde, si le thème noir ne plaît pas, on peut facilement rebasculer vers un thème blanc grâce aux paramètres, si vous voulez. Vous pouvez voir le thème blanc ou non. Simplement, pour appliquer le thème, il va falloir redémarrer Skype et le relancer. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça va ressembler. Lorsqu'on relance Skype, c'est comme ça. Et puis là, on retrouve une interface très classique, mais néanmoins parfaitement adaptée au tactile de Skype. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Vous avez ici toutes les. En fait, tout comme un iPad, en fait. Et c'est ça vraiment qui me plaît. Ensuite, toutes les applications du store sont de nouveau optimisées. Et je trouve ça vraiment fantastique. Donc voilà, je trouve que là-dessus, Microsoft a vraiment, parce que c'est Microsoft qui développe l'application Skype, ils ont vraiment fait un effort énorme pour l'intégrer complètement à Windows 10 premier anniversaire. Et ça, c'est vraiment une excellente initiative. J'attendais que ça, que Skype revienne en application Metro, ça s'appelle, pour que vraiment je puisse l'utiliser avec ma Surface sans problème, à la fois avec le mode clavier et à la fois avec le mode tablette, puisque ce que j'ai ici est une tablette. Évidemment, ce n'est pas la mort de Skype pour bureau traditionnel, vous pourrez continuer à l'utiliser. Maintenant, il faut quelques petites revisitations, mais là, franchement, c'est pas mal. Les paramètres aussi ont été un petit peu changés. Les paramètres de l'ordinateur, cette fois, pas de Skype. Donc, en ouvrant les paramètres, on se retrouve sur une interface simplifiée, avec une barre de recherche mise en évidence pour vraiment pouvoir le faire, et puis une interface vraiment centrée, c'est-à-dire que paramètres Windows et tout ça, c'est vraiment centré au milieu de la tablette. Et puis, de même que maintenant, on a vraiment aussi vraiment une interface simplifiée de gestion où vraiment on voit la barre de recherche mise en évidence en haut et les différentes icônes de paramètres maintenant à côté du texte, ce qui est bien plus pratique. Donc voilà, c'est vraiment une belle amélioration des paramètres, beaucoup plus compréhensible pour le coup, parce que c'est vrai que les paramètres, souvent on cherche un paramètre et puis on peine à le trouver. C'est beaucoup plus facile avec celui-là, il suffit de taper ce qu'on cherche, c'est assez précis et ça nous dit directement, tenez par exemple, je vais dire que je voudrais activer le mode développeur. Donc, activer le mode développeur. Et voilà, vous arrivez sur la page de mode de développeur où vous voyez ici toutes les informations. Il y a même des nouvelles informations, il y a même des nouveaux services pour les développeurs qui arrivent.
Donc, j'ai pas pu expérimenter toutes les fonctionnalités de développement comme ça parce que ma Surface n'est pas encore prête. Je viens d'installer toutes les mises à jour système. Je n'ai pas réussi à installer Visual Studio complètement dessus encore. Enfin bref, il y a encore plusieurs choses qu'il faut que je fasse. Je sais, j'ai pas pu tout tester. Si vous, ça vous dit quelque chose, je vais vous faire un petit zoom sur l'écran de ma Surface pour que vous puissiez voir ce que c'est. Il y a quelque chose qui s'appelle Device Portal. J'imagine que c'est pour faire des diagnostics avec d'autres appareils sur le réseau local. Et puis il y a d'autres choses avec PowerShell, le bureau à distance, l'explorateur Windows. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça où j'ai pas vraiment encore pu expérimenter. Parce que oui, je l'ai depuis pas mal de temps, mais je ne suis pas parti expérimenter les fonctions de développement. Puisque bah, à la base, je l'active juste pour utiliser Visual Studio de manière correcte avec les droits d'administrateur, sans faire vraiment quoi que ce soit. Maintenant, nous avons vraiment alors dans les paramètres, toujours, comme vous pouvez le voir, pour la première fois, Windows met en évidence son antivirus. Pour la première fois, ils le disent vraiment, Windows Defender est votre antivirus. Alors même si l'interface de Windows Defender est toujours la même depuis Windows Vista, ils l'ont cette fois-ci pourtant beaucoup mieux intégré dans les paramètres en la référençant de cette manière ici, Windows Defender. Et au démarrage du PC, ils expliquent bien que Windows Defender est un antivirus, qu'il est installé sur le PC et qu'il est complètement opérationnel. Alors en l'ouvrant, on peut se rendre compte voilà, qu'il y a ici les paramètres de Windows Defender, où il y a vrament marqué qu'il protège l'ordinateur. Donc il y a la protection dans le cloud en temps réel, les envois automatiques, les exclusions. Les notifications, toutes les informations, et on peut aussi utiliser hors connexion Windows Defender si on ne veut pas envoyer les fichiers à Microsoft. Et donc vous voyez ici, lorsqu'on ouvre pour la première fois Windows Defender, ils expliquent les nouveautés. Donc ils expliquent voilà, la mise à jour des paramètres et la mise à jour de la protection. Donc c'est pour automatiquement activer la protection de Windows Defender sans forcément faire un scan. Et c'est la première utilité d'un antivirus, c'est que justement, automatiquement, il puisse scanner l'ordinateur et dire s'il y a un danger avant l'exécution du programme pour éviter toute contamination non désirée. Voilà. Donc, au lieu de faire un scan ou quoi que ce soit, on active automatiquement la protection. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est l'interface qui est toujours la même depuis Windows Vista. Franchement, ça, je regrette. Ils auraient pu créer une nouvelle interface graphique, même si celle-là est extrêmement simple, cette interface commence à vraiment faire vieux et vraiment je pense qu'ils auraient pu quand même faire une nouvelle interface parce que bon, les onglets ne sont pas vraiment adaptés au style de Windows 10. Enfin bref, il y a plusieurs choses qui font que ils auraient pu. Ils ont fait un petit effort quand même, les barres maintenant sont vraiment en flat design, etc. Mais je pense que là ils auraient pu complètement réeffacer parce que ce bleu je l'aime moyen. Enfin bref. Ils auraient pu quand même refaire un nouveau design pour vraiment montrer que c'est vraiment nouveau, parce que personne n'a fait confiance à Windows Defender pour le moment. Quitte à montrer que c'est vraiment un antivirus plus puissant, autant refaire son interface pour ne pas vraiment le reconnaître et l'assimiler à un mauvais antivirus. Voilà. Sinon, eh bien, nous avons encore une dernière fonction, deux dernières fonctions, mais la dernière, attention, fera office d'une vidéo séparée, en fait, puisque sinon celle-là sera trop longue, et parce qu'elle nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques, d'avis. Elle demande même un débat. Donc, je ne vais pas vous en parler tout de suite. La dernière fonction de cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement adapté surtout pour les modèles de surface. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Si vous n'avez pas de tablette ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. C'est pour les tablettes équipées d'un stylet. En effet, si vous avez pu le remarquer, en bas dans l'onglet des notifications, il y a maintenant une nouvelle icône qui s'appelle Windows Ink. Windows Ink, c'est cette icône de stylet. Et en effet, Windows Ink, c'est toute une interface graphique qui est réservée au stylet. Par exemple, je peux décider d'ajouter un pense-bête sur mon bureau, comme par exemple ici. Et vous voyez que le reste du bureau est complètement désactivé, on ne peut rien faire avec le bureau, puisqu'on est en mode édition, où je peux dessiner sur le truc. Donc par exemple, j'écris bonjour. Bon voilà, là je le fais pencher, donc forcément c'est pas très joli. Après, je peux aussi le redimensionner et le déplacer à volonté. Et quand je ferme, il est mis sur mon bureau.
Maintenant, je peux interagir avec ou quoi que ce soit. Je peux toujours dessiner dessus. Bonjour, voilà. Parfait. Je peux le supprimer, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les sticky notes, ça s'appelle. C'est le nouveau bloc-notes. Ça existait sur Windows 7. Eh bien, ils l'ont mis à jour sur Windows 10 pour que ça marche avec le stylet, le clavier, le tactile, tout ça réuni. Bien entendu, ça marche aussi avec le tactile. On peut faire ça aussi avec un bloc croquis qui, pour le coup, est beaucoup plus gros et permet de dessiner sur toute une surface, par exemple. Voilà. Donc ce croquis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un croquis automatique créé par Microsoft. Où vous pouvez simplement, voilà, venir choisir votre couleur, quoi que ce soit, dire voilà, je veux en vert. Et puis vous pouvez venir dessiner comme ça sur votre truc. Vous pouvez choisir évidemment la taille. Vous avez plein de réglages. Vous pouvez le partager, le copier, l'enregistrer quelque part. Enfin bref, c'est vraiment génial. Voilà, vous voyez ici la taille que je peux régler. Donc je peux dire voilà, je veux ça. Je veux peindre la maison ici en vert clair. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Et donc moi, je trouve ça franchement génial. C'est une nouvelle dimension qu'ils donnent à leur surface. Et c'est vraiment ça qu'ils devaient faire. Voilà. Il donne enfin une dimension, une raison d'exister de ce stylet qu'ils fournissent avec la surface. Et vraiment, c'est fantastique, voilà. Vous voyez, on peut dessiner. Bon, après, évidemment, il y a aussi d'autres outils, des surligneurs, des crayons plus fins. Vous pouvez aussi ronger l'image si vous voulez garder qu'une partie. Vous pouvez bien sûr annuler et rétablir toutes mes actions. Et on peut évidemment supprimer la note ou bien fermer simplement. Et puis ça ferme directement. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme fonction. Windows Ink, voilà. Il y a d'autres encore fonctionnalités qui sont incluses dans Windows Ink. Vous pouvez faire un croquis sur capture d'écran. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Il y avait ça dans Microsoft Edge qui vous permettait de prendre un site et de dessiner dessus et d'envoyer le site à quelqu'un. Maintenant, on peut aussi faire ça sur une capture d'écran. Par exemple, si j'ouvre mon explorateur de fichiers. Et que je veux faire, du coup, je veux dire que il faut ouvrir le bureau. Donc, par exemple, je vais prendre ici l'outil Windows Ink, croquis sur capture d'écran. Ça m'ouvre ma capture d'écran. Et puis, par exemple, je vais dire avec le feutre ici, juste comme ça, et je vais mettre en vert. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai avec le vert. Bureau. Et puis, on peut mettre ici, voilà, ouvre ça. Et on peut bien évidemment ensuite le partager avec une application au hasard. Vous voyez Twitter, Rappel Cortana, OneNote, Fresh Paint, Courrier, 3D Builder. Bref, on peut le partager partout. Et c'est ça vraiment que je trouve hyper sympathique. Donc là, je vais l'effacer parce que ça ne me sert à rien. Et je le ferme. Voilà, donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité, franchement, que j'apprécie beaucoup. Windows Ink, qui vous permet vraiment de donner une toute dernière dimension. Et puis enfin, ça vous donne des recommandations d'applications compatibles avec votre matériel. Donc il va analyser le stylet ou l'écran tactile que vous avez. Et puis il va vous dire toutes les applications qui sont compatibles avec. Et aussi également, c'est une sorte de Cortana. C'est une sorte de Cortana aussi évoluée, adaptée pour l'interface du stylet, où vous avez des miniatures plus petites du menu démarrer, des applications que vous avez dernièrement utilisées, qui vous permettent d'accéder comme un raccourci très rapide aux applications que vous avez ouvertes. Vous voyez les paramètres, Skype, et puis vous pouvez voir aussi que juste avant j'utilisais Deezer, Microsoft Edge et OneNote pour tester le stylet. OneNote qui est aussi génial, mais ça concerne plus le produit. Je vous parlerai de comment activer OneNote et tout ça dans la vidéo de présentation de la Surface 3. Cet appareil-là que je suis en train d'utiliser. Et bien évidemment, toute cette interface que je viens de vous montrer a été aussi optimisée pour le mode tablette. Mode tablette qui est désormais aussi légèrement amélioré en termes de design. Alors pour ça, il faut sortir ce truc-là et redéplier le clavier. Et puis vous voyez maintenant, l'interface est différente avec la tablette. Donc c'est-à-dire que maintenant, voilà, vous retrouvez avec une interface comme ça. Notification, vous voyez ici en bas, et de nouveau l'icône blanche parce que la notification est arrivée. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment, alors ça réfléchit beaucoup l'écran, mais voilà, c'est vraiment très bien fait. Le système est dans, je pense, dans sa phase de finalisation puisqu'il est extrêmement stable. Et du coup, donc ça va être vraiment un système très très bien pour ceux qui ont aimé Windows 10. Voilà, donc en conclusion, il y a encore une dernière fonction sur ce système d'exploitation. Que je vous montrerai dans une vidéo séparée qui aura uniquement l'objectif de présenter cette fonctionnalité exclusive, on va dire. Bref, en conclusion, c'est vraiment une évolution de Windows 10. La mise à jour est gratuite, vraiment, donc je vous encourage à la faire lorsqu'elle sera sortie. Pour l'instant, c'est encore une version bêta, mais très stable, donc j'imagine qu'elle devrait sortir d'ici un mois ou deux, fin octobre, fin novembre, quelque chose comme ça. Et là, vraiment, ça devrait être prêt. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment donc une mise à jour pas tellement légère que ça, mais
C'est des mises à jour qui commencent à ressembler un petit peu à ce que fait Apple depuis un bon moment, c'est-à-dire le système a quelques petites évolutions, mais la mise à jour est gratuite. Windows commence à adopter ce format-là et à conserver le nom Windows 10 sans faire maintenant d'autres noms ou quoi que ce soit. Reste à voir est-ce que Windows va continuer à faire ça indéfiniment ou est-ce qu'à un moment donné Windows va se dire tiens, on va complètement rechanger notre système. Maintenant, je pense que tel que c'est parti, ça va pas être le cas. Je pense que tel que c'est parti, tous les ans, il y aura une mise à jour anniversaire de Windows 10 où des choses seront améliorées, des personnalisations étendues pour pouvoir vraiment avoir le système qu'on veut, nous. Et arrêter maintenant de faire des évolutions de système qui n'ont aucun sens, passer de menu démarrer à métro, puis de nouveau à menu démarrer, puis fusionner les deux, et je sais pas quoi. Donc vraiment, je pense que c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et donc voilà, le produit aussi est très sympathique, le produit, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Juste suivant cette vidéo, il va y avoir donc la vidéo où je présente la dernière fonction de Windows 10, qui est une fonction vraiment incroyable. C'est une fonction wow qui a fait un effet assez impressionnant sur moi, en tout cas. Lorsque je l'ai appris sur Twitter, j'étais en mode non, c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça. Et en testant, il s'avère que parfaitement, c'est possible. Et c'est même le cas, et la fonction est vraiment incroyable, surtout pour moi, développeur, mais ça peut être intéressant aussi pour vous, qui n'aime pas trop Windows. J'en dis pas plus. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Plegen. On se retrouve à la prochaine.